Esther, nous allons le remercier, nous allons chanter, nous allons adorer le Seigneur parce qu'il nous a prouvé son amour et dorénavant, n'est-ce pas, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais nous allons toujours continuer à prier. Nous aurons bientôt une plaque devant cette maison Ministère Chrétien pour la vie de sanctification, Christian Holy Living Ministry, à Irvington, dans le New Jersey. Et nous allons soit passer par cette porte, soit par l'autre porte. Nous sommes encore en train de travailler, certainement que l'architecte va nous dire ce qu'il faut faire dans ce sens. Et nous ne serons plus serrés. Parce que parfois, maman Louise veut être à l'aise, n'est-ce pas? Hein? Parfois, quand le frère Kofi vient, il veut être à l'aise. Ok, on aura maintenant un hôtel, n'est-ce pas? Nous aurons une église selon les normes. Ok, on aura l'hôtel, on aura l'hôtel, on aura ce qu'il faut comme une église. Et nous prions que, parce que nous allons témoigner notre gratitude à l'Éternel, qu'il attire, n'est-ce pas, beaucoup de nos frères qui sont abandonnés dans leur maison. Ok, beaucoup de nos frères qui sont dans l'obscurité à venir, ne serait-ce qu'en voyant la plaque, n'est-ce pas, à venir dans la maison de Dieu. Et nous savons que c'est comme cela. Je me rappelle que ce ministère a commencé dans mon salon. Ok, ça a commencé dans mon salon. Ce n'est pas que nous étions quelque part, on a fait les problèmes jusqu'à ce que l'église s'est divisée en deux. Il y a les ministères qui commencent comme ça. C'est que l'église s'est divisée en deux. Il y a une partie qui suit l'autre pasteur. L'autre partie suit l'autre pasteur. Ou les gens de ce village partent dans l'autre village. Et ainsi de suite. Ok. Nous avons commencé dans le salon. Et nous étions à trois la première fois. Et après, nous sommes devenus cinq. Et après, nous sommes devenus six. Et après, nous sommes devenus comme nous sommes là. Et en début de l'année 2021, je vous avais dit ici que c'est la septième année de ce ministère. C'est la septième année. Et que je sais que quelque chose va se passer parce que Dieu est fidèle à sa parole. Je ne sais pas depuis combien d'années tu es dans cette situation, mais laisse-moi te dire que si ton pasteur t'a dit qu'il sait et il est persuadé qu'en cette septième année, quelque chose va se passer parce que Dieu est fidèle, il faut que ceci te serve de preuve. Que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu va faire quelque chose pour toi si ton cœur est prêt à le servir.